C'est clair, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans une vidéo, attention, robe de princesse, mais robe aussi pour le quotidien ou juste envie de te faire belle. Enfin, je suis sûre que tu connais pas et c'est une pépite. J'ai découvert une première robe, je vous l'ai montrée sur Insta et vous m'avez dit waouh. Il s'agit de Azazie. Alors, c'est un partenariat, ils m'ont proposé de recevoir des robes et je suis bluffée par la première. Je l'ai reçue hier, j'ai fait ma commande la semaine dernière et là j'en ai reçu deux que je vais ouvrir avec vous. Il faut savoir qu'on peut avoir donc des robes pour les grandes occasions, pour tout simplement une soirée, pour un mariage, pour une robe de demoiselle d'honneur, si vous vous mariez. Ils ont énormément de modèles, plus ou moins princesse ou classiques. Vous pouvez choisir donc les couleurs, les détails. Ils ont aussi plein d'accessoires. Aussi pour les enfants, des très 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 jolies robes. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. J'ai un code, c'est Claire10. En ce moment, ça va vous donner un discount. C'est avantageux. Il faut savoir que c'est cette robe que j'ai eue et que j'ai essayée hier, que j'ai reçue hier, elle est incroyable. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu, j'ai envie de dire, de la haute couture. C'est pas de la haute couture, mais on est très loin du prêt-à-porter qu'on connaît dans les magasins. Et le prix est franchement hyper. La dernière, elle était à 120, moins de 130 euros. Et la robe, elle est incroyable. Quand je vous dis incroyable, ils ont plein de modèles à différents prix. Et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Ils ont un nuancier. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à hésiter entre du framboise, du mûr et ce vert qui est incroyable. Cette robe est tellement belle. Voilà. Au niveau de la taille, comment j'ai fait? J'ai mesuré mon tour de poitrine, mon tour au niveau de la taille et mon tour de hanche afin d'avoir... Je suis partie sur du A6. Voilà. Donc... celles qui veulent regarder, je fais un 38, je fais 1m62, voilà, je fais une taille M en général. Je pourrais faire un taille small, mais j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements. Et le A6 me va parfaitement. On passe à l'ouverture de ce colis. Et avant de commencer, je compte sur vous pour liker, me donner la force, commenter et me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Claire, en cabine les copines, en cabine les copines sur Insta, sur le blog et ici sur YouTube. J'ai choisi une robe avec des fleurs. Elle existe dans toutes les couleurs. Et l'autre, c'est un grand doute parce que, en fait, il y a plein de photos avec des avis. D'ailleurs, ça aide trop. Et je l'ai vue dans tellement de couleurs et je l'ai choisie jaune. Because, bah, j'ai pas de robe jaune et je me suis dit, non mais attends, je la veux trop en jaune. Il y a une dame qui la porte sur le site et elle est incroyablement belle dans sa robe. Il y a toutes les tailles. Voilà, que vous ayez une silhouette avec peu de forme, beaucoup de forme, vous allez trouver le modèle. Et si jamais vous ne trouvez pas, ils peuvent la faire sur mesure. Vous pouvez les contacter directement. Il y a un petit... et ils peuvent vous la faire exactement sur mesure au niveau de la longueur, au niveau... Voilà. Je commence par la jaune. Ça m'a été envoyé, je vous montre hein, quand même, avec une pochette pour ranger la robe. Je vais vous montrer donc cette première robe, qui est Azazie Riley. Donc c'est une robe qui est comme ceci devant, comme cela, totalement doublée. Je ne sais pas si vous voyez le niveau, mais c'est doublé, donc ce n'est pas transparent. La fermeture est claire, toutes ces finitions, elle va être superbe. Je vais bien évidemment la passer, hein, mais je découvre avec vous. Elle va être magnifique et elle est fendue sur l'avant afin de laisser passer la jambe, d'être à l'aise et voilà, de flatter la silhouette aussi. Écoutez, ce jaune, qui d'ailleurs est un jaune moutarde doré, il est magnifique. Regardez les finitions, donc là, c'est vraiment, tu vois, il n'y a pas, on voit pas ton soutien-gorge. Oh, t'es à l'aise là, c'est les jeux de couture, de pliage et tout, les petites manches qui sont vraiment très belles. Ça marque la taille, fendue, elle est incroyable. Franchement, trop belle. Je suis trop contente. Dites-moi dans les commentaires laquelle des trois vous préférez. Au niveau de la longueur, moi je porte, comme vous l'avez vu, des grands talons. Vous pouvez choisir la longueur de vos robes. Vous pouvez aussi faire du sur-mesure. Si vous voulez pas qu'elle soit longue, moi j'aime les robes longues, mais qu'elle s'arrête là, vous pouvez le demander. C'est dans, vous allez voir sur la page, vous avez contacté un conseiller et vous pouvez exactement tout demander, la faire à la taille que vous voulez. Voilà, moi je suis trop contente de mes robes. Ce que je voulais, moi, c'était vraiment ce côté robe de princesse, quoi, tu vois.
Elles sont doublées, très agréables. Je ne transpire pas dedans, là j'ai un éclairage et tout. Je suis trop bien et je me sens trop belle dans mes robes. Voilà, je suis super contente d'avoir eu cette opportunité de découvrir. Je connaissais pas. Et franchement, les trois sont impeccables. Taille, j'ai pris A6. Donc vous avez différentes tailles et vous pouvez faire du sur-mesure si jamais vous savez pas. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Donc à l'avant, l'arrière. Et elle se noue. Une vraie robe de princesse, mais qui se porte aussi bien avec une veste en jean pour aller chercher tes gamins à l'école. Et bah ouais, t'as une belle robe, et voilà. Pour aller bosser avec une veste, tu mets une veste de tailleur noire et ça va. Voilà. Ou pour une grande soirée, et tu peux mettre, par exemple, un grand foulard sur les épaules. C'est vraiment une très jolie robe qui peut s'habiller ou... simplement faire le job pour un mariage. Je pense que vous êtes pas prêts. Cette robe, elle est wow. Elle est incroyable. Les détails, je sais pas si vous voyez le nœud, là il y a un crochet, la fermeture est claire. Oh, elle flatte la silhouette, ouverte sur la jambe et tout. C'est une robe de princesse. Trop contente. Alors, le prix de la robe, on est toujours dans les 120-130 euros et avec le code, vous l'avez moins cher, et ils ont plein de modèles. Et vous avez toutes les tailles. Non mais regarde-moi ça. C'est... Alors tu me dis hein, dans les commentaires laquelle tu préfères. Voilà. Moi, là, je sais pas te dire parce que... Waouh, waouh, waouh. Mon mec a intérêt à m'emmener au bal. Nous allons au bal chez lui ce soir. Hein? Nous allons danser. Je vous représente cette robe, toujours à Zazie, qui est dingue. Cette couleur, je vous dis, hein, j'hésitais entre la mûre, la framboise, et je suis partie, il me semble que c'est cèdre. En tout cas, c'est pas la verjade, c'est le nom d'une plante. Je vous le mettrai exactement dans le descriptif. Donc là, on est sur un vrai bustier, totalement doublé. Lorsque je l'ai essayé, je me suis glissée dedans, j'étais bluffée. Donc j'ai choisi du A6, il y a plein de tailles. Et si jamais vous ne trouvez pas, vous avez une hésitation, vous demandez l'aide, il y a des conseillers et tout. Et voilà, livraison en une semaine. Alors ils m'ont envoyé aussi des housses, et oui, pour ranger ces belles robes dans mon placard. Ils pensent à tout. Regardez, ils ont plein d'accessoires. Et ça c'est trop pratique, hein. Ils ont plein d'accessoires, plein de jolis vêtements. Pour vous, si vous avez des petites poulettes, des jolies robes, ça peut être pour des grandes occasions, mariage, baptême, voilà. Il y a toujours des occasions. Et ça peut être pour le quotidien, une jolie robe comme ça, avec un perfecto. Voilà, ça fait pas, c'est juste comme il faut. Et le prix est tout à fait abordable. On est sur une robe, là, je vous le disais, entre 120-130 euros. Vous en avez des moins chers, vous en avez des plus chers. Il suffit de regarder en fonction aussi de ce que vous voulez comme longueur, comme coupe. Il y a vraiment toutes sortes de choix. Et moi, je les ai reçus, comme je vous dis, en une semaine. Vous pouvez les avoir très très rapidement. Il y a aussi possibilité de changer, donc toutes les informations sont disponibles sur le site de Azazie. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, je suis bluffée. Actuellement, j'ai de la famille à la maison, donc j'ai montré ces robes. Et pareil, waouh quoi, c'est sur les réseaux sociaux, la verte, vous m'avez tout dit, elle est trop belle. Voilà, et là encore, tu sais, quand tu reçois une première, tu te dis, bah, j'espère que les deux autres seront pareils. C'est incroyable. Voilà, je les ai eu en partenariat, je les aurais achetées. J'aurais rien eu à redire, quoi. Elles sont parfaites. Et ça, c'est mon avis. Là, je la porte, je me sens bien, elle me va bien. Et la finition. Sur moi, j'ai l'impression de porter une robe, pour essayer de vous situer ça. Vous voyez les robes, je ne sais pas si vous avez des robes de vos grands-parents à l'époque, ces finitions que l'on n'a plus dans le prêt-à-porter. Ce qui explique aussi la différence de coût, tout ça. À l'époque, on faisait vraiment des vêtements sur mesure. Et des vêtements que même maintenant encore,
J'ai dans mes placards tellement ils sont bien finis. Maintenant, les vêtements que l'on a, c'est souvent du bon, tu les portes une ou deux saisons, c'est pas pareil, il n'y a pas toutes ces finitions. J'ai ce sentiment d'avoir un vêtement qui a vraiment été fait sur mesure et je vois la différence avec le prêt-à-porter que l'on trouve. Je vais pas cracher dessus, j'adore aussi, hein, mais là on est niveau haut de gamme quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'adore les robes de princesse et les robes de princesse qu'on peut aussi porter au quotidien. Bah parce que sinon ça sert à rien, hein. S'il faut attendre que ton mec t'emmène au bal, hein, on est d'accord. Là elles sont vraiment belles et je sais que je pourrais les porter avec la veste en jean comme je te l'ai expliqué. Peut-être qu'au niveau de la longueur, si jamais je me rends compte que j'ai envie de mettre des ballerines et tout, peut-être que je préfère un ourlet si jamais je me rends compte qu'en fait j'aime bien être en ballerine avec ou avec des chaussures un petit peu moins hautes. On verra. Mais c'est vrai que j'adore les robes longues et puis ça va avec ce côté froufrou. Voilà, je verrai. Après, un ourlet, hein, ça se fait. Et puis j'ai une machine aussi à coudre, donc je peux le faire, mais bon, je préfère déléguer sur une belle robe comme ça. Fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner de la force, à me retrouver sur Insta, sur En Camille les copines, le blog, et à vous abonner à ma chaîne afin de me retrouver pour du lifestyle, de la beauté, de la mode, des coups de gueule, des tops, des flops, du henné, des cheveux, tout ça, tout ça, tout ça. Toujours avec la bonne humeur, plein de bonnes ondes sur toi. Tchuss, bye bye.